There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror. Salut tout le monde, bienvenue dans ce troisième épisode de Zomboïd, vous l'attendiez tous, ou peut-être pas, je sais pas. Et donc, parce que c'est vrai que le dernier il date d'un petit moment, salut Seb. Salut Fred. Enfin, salut, salut Gordon Ramsay. Exactement, et salut Valérie Damido. Voilà, tu es bien donc, en forme. On est revenu avec nos personnages de la dernière fois, sachant que par contre on a relancé le serveur. Parce que si on se faisait chier la dernière fois, c'est parce que le serveur était vieux, il avait plus de 2 semaines et du coup, bah, effectivement tous les zombies étaient presque morts. Là par contre, on est dans un zombie land fraîchement créé. Et du coup, on va très certainement crever très rapidement. Donc on va en chier, ouais, voilà. Donc même s'ils ont survécu pendant l'ellipse, Valérie et Gordon, là, ils vont en chier des ronds de chapeau, donc on va tout tenter pour tenir le maximum de temps. C'est ça, je pense que ce qui est pas mal, c'est qu'on est dans une cuisine, là, donc on a commencé à côté de chez toi, dans un restaurant. Elle est très mal entretenue, qu'est-ce que c'est que ce travail, c'est dégueulasse, il y a de la graisse partout. Bon. Et, bah écoute, moi je te propose d'aller derrière, parce que là, quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu un grand parking avec rien du tout. Ah, j'aime bien qu'il n'y a rien du tout. Il y a des zombies à droite, par contre. Alors, écoute, là, il y a des zombies devant. Très bien. Il y a des zombies devant. Il y a des zombies à droite. Attends, on essaye d'ouvrir. Essayons. Je vois pas du tout. Non, c'est fermé. C'est une porte, ça. D'accord. C'est fermé. Alors, attends, écoute, moi, je te propose d'aller par là. Moi, je suis armé d'une fourchette et d'une cuillère. Attention. Moi, j'ai Une église. Attends. Est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai à la main. Je crois qu'on nous a vu. Je n'ai vu aucun zombie. Ils sont derrière toi. Ah si, j'en vois un. Ou alors ils sont c'est derrière toi. Ils sont derrière toi, un redneck complètement bourré, je sais pas. Ils nous ont vu, c'est bon. Alors, on est spotted de partout, c'est très bien. Il y en a partout. Ah, il est bien ce serveur, je l'aime beaucoup. Je l'aime déjà. Et la nuit tombe. Donc c'est parfait. Là, attends. Là, c'est parfait. Un grand supermarché, ça serait cool. Non, c'est fermé. Est-ce que ce Super U est ouvert? Non. C'est vrai qu'il est rempli de... Il y a un gâteau dans la vitrine. Un gâteau. Je le veux. Il est rempli de zombies. Il y a un truc qui arrive derrière. Par là. Ah, là, il y a un guns... Oh, putain, il y a un guns en ammo. Non, là, il faut qu'on rentre dedans, mec. Oh, yeah. Ah, bah, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de se le faire à coup de fourchette? C'est chaud. Bah, attends, je vais essayer de passer... À coup de fourchette. De l'autre côté. Waouh. Tu arriveras à temps. Tiens, tu as mal cuit ton risotto. Allez, elle est morte ou pas? Faut se dépêcher, ça arrive. Merde, ça arrive. Putain, ils nous ont tous grillés. Oh god damn it. Allez ici, non. Ils nous ont tous grillés. Non, faut se barrer. Il faudrait les semer. Revenir ici quand il fera jour. On nous avait dit dans les commentaires, il faut siffler en fait pour créer des diversions. Mais ça veut dire sacrifier l'un de nous quoi. Voilà. Vas-y. Fais une diversion pendant que je survis. Exactement, appelle-les tous dans ton coin. Bah attends, en revenant vers la gauche. C'est une mare de sang gigantesque, c'est quoi ça à gauche? Non, c'est de la boue je pense, un truc comme ça. Oh là là, il y en a là-bas aussi, putain. Il faut revenir à gauche, hein, faut retourner vers la civilisation je pense. Et on a que dalle sur nous, niveau vivre, j'ai rien, moi j'ai du whisky et des chips quoi. je peux faire l'apéro, moi c'est tout. Là, ah, une baraque. Où ça? Là, sur la, la gauche. Ouais. Par contre, les vitres sont cassées, ça veut dire que peut-être les mecs sont déjà entrés dedans. Il nous faut des planches pour barricader, non? Attends, ou un rideau, ça suffirait quoi. Je vais pas me blesser. Là, c'est bon. Ça va, y'a personne pour l'instant. Y'a personne. C'est ouvert? Non. Ça aurait été trop beau. Est-ce que je peux ouvrir la fenêtre? Essaye d'ouvrir la fenêtre. Si, ça marche. T'as réussi à l'ouvrir? Ouais. Bah vas-y, rentre dedans et. Allez, Jojo, vas-y. Et dis-moi si ça va. Allez! Vas-y, fais passer la fenêtre, attends. Je suis rentré, mec. Ah non, il est dedans. J'ai plus ma fourchette. Mais moi j'ai non plus. Ma fourchette. Attends. Tiens, stomping de Dazé. Je vise les genoux, mais c'est... vise la tête. Vise les yeux. Est-ce qu'il y a pas un truc dedans? Attends, ferme la fenêtre, s'il te plaît. Là, couteau à beurre. C'est vraiment mieux que rien, mais c'est vraiment le principe du mieux que rien. Attends. Je vais vous tartiner. J'étais pas loin de toi. Ah, j'ai cassé ma fourchette aussi. Ah merde. Il y a déjà quelqu'un qui tape là. Oh là là, mais... Mais il sort de là. Il y a rien depuis la boîte aux lettres, là, je peux pas l'arracher et mettre des coups avec.
Là, il y a un truc à l'intérieur, là, peut-être bien. Oui, il speed l'autre. Il speed sa mère. Ah putain, il y a du monde là. Ouais, ouais, il y en a partout là. Attention. Là, il y a une porte qui est ouverte. Ça veut dire que ça va être rempli dedans. Bonjour. Allez, non, c'est bon. J'entends des grognements. Salut. Alors, est-ce qu'il y a des réductions au rayon fromage? Ah bah, on est revenu exactement là où on était tout à l'heure. Exactement. Il y a le jet d'imat là. Alors, plein de bouffe, mais après. Ouais, mais au moins qu'on aura de la bouffe quoi. Je vais bien essayer de casser, mais on va se faire mal quoi. Allez, écoute. On a fait une entrée tous les deux. les moins efficaces du monde. Allez, vas-y, mange un truc. Prendre, voilà. Allez. Fais une pastèque. Y'a rien, formidable. Des cerises, des carottes. Poivrons, tomates, pastèque. Je te trempe comme une pastèque. Des ananas. Je regarde s'il n'y a pas un couteau quelque part. Ah merde, je chie du sang. Tu t'es blessé? Douleur sévère, vitesse et précision réduite. Blessure légère. Très bien. Écoute, si t'allais te faire foutre... Oh là 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 là. Égratigner, saigner, égratigner. Une batte de baseball. Ah, je fais que saigner. Ah putain, sérieux, mais on peut rien faire dans ce jeu, quoi. Et je fous du sang partout, c'est dégueulasse. Fais-toi un bandage, je crois que tu dois avoir du tissu ou des conneries comme ça. J'ai rien. Je peux pas défoncer mon pullover. Ah ouais, déchirer un tissu, ouais. Torse nu, ça va être cool. BDS. Là, c'est survivor. Putain, avec le poil sur le torse. Gordon Ramsay. L'apocalypse zombie, Gordon Ramsay. Main droite, oui, donc je vais mettre un bandage, voilà, très bien. Ok, les zombies sont rentrés. Putain, mode Rambo, Allez, ce coup-ci on les défend. Cette fois-ci, ça va chier. Là, il commence à y avoir vraiment du monde dans le magasin, mec. Attends, il me faut une cigarette, comme ça j'aurais bien l'air badass, voilà. Allez, tiens. Putain, je vais te retapisser la gueule. Mange les cerises. C'est toi aussi. Rénovation ça veut rien de la dire, d'Amido qui tabasse tout le monde à un coup de batte, Gordon Ramsay torse nu. Par contre, j'ai un bandage sale, je sais pas comment. Faut que je le désinfecte, non? Je pense que oui, il te faudrait des. Putain, j'ai vidé ma bouteille de whisky, moi je suis trop con. Ouais, voilà, c'est ça qu'il faudrait. Oh putain. Mec, qui est bourré, si seulement j'avais de l'alcool. Oh, j'ai trouvé un fusil à pompe. T'as trouvé un fusil à pompe? Ouais. Y'a des cartouches de fusil à pompe. Diamant! Putain! Oh yeah, bitches. Alors, fusil à pompe et cigarette. Ah, y'a des zombies qui sont entrés. Come on! It's time to kick some ass and chew some gum. Ouah, comment? Recharge-le! T'as complètement raté ton effet. Y'en a un qui est rentré, attention. Tiens! Prends ça! Tiens! Oh, je l'ai raté! Bouteille de sauce, t'es... Ah, mais je m'en fous! Allez, mais tape-le, qu'est-ce que tu fais là? Attends, recule-toi! Oh yeah, putain. Bitches! Je te laisse le finir. Je vais dans la remise. Pourquoi il tape à côté, cette conne? Voilà. Allez, les fraises. Ah, putain, mais donnez-moi de l'alcool, bordel de merde. Lourde charge, merde. Douleur, blessure, assoiffé. Tout ça, c'est du tofu, de la pêche. Que des légumes. Ça m'a tout l'air de magasin de légumes. Hein. Je pense pas que tu trouveras de l'alcool ici. Hein, ouais, y a que ça quasiment. Attends, je vais aller à l'étage. Ce que ça donne, ce qu'il y a du monde. Ouais, le directeur. Par contre, ça serait bien de se barrer parce que... Non, mec, il y a tous les zombies de la ville qui ont entendu ton coup de feu, là, faut tracer. Ah oui, c'est vrai que ça fait ça, le fusil à pompe. J'avais complètement oublié. Mais c'est badass. Ah oh, putain, ça arrive de partout. Attends, non, je vais pas casser la fenêtre. Oh, putain. Non, ça commence vraiment à arriver beaucoup. Je vais essayer d'ouvrir la porte. Je vais te faire la technique moldave. Allez, on y va. Attends, il a vu... Des vitamines, ça c'est bien. Trace. J'arrive. Une hache. Tu sors par la droite. La hache. Ouais, vas-y, la hache, prends la hache. Oh putain, ils sont partout. Je cours tout droit en sortant du magasin. Sur la...
Ouh, double kill. Ah, il se relève. Ramène-toi. J'arrive. Ça fait vraiment fin du monde, là, pour le coup. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? T'as vu, toi aussi? Tiens, mange. Ah, retourne vers le Twiggy, la taverne qu'on était tout à l'heure. Je suis encombré. Il était vers où? Nord, sud, est, ouest? Twiggy, c'est sur la droite quand tu sors du parking. Et que tu files... tu files au nord après. Ils sont au moins 10 derrière moi, là. Il faut que tu me rejoignes vite. À la droite du personnage? Attends. Ah, je le vois. Attends. Oh, ils arrivent de tous les côtés de la ville. Ils t'ont tous entendu tirer, quoi. You son of a bitch. Ah merde, je suis à côté d'un food market. Wouah, tout ce qu'il y a. Oh, le brouillard de guerre. Allez Gordon, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Wouah, non, je vais crever. Cours vers le Guns and Ammo. Il est où? Parce que là, je suis perdu, je suis parti à l'opposé, je crois. C'est à droite, quand tu sors du truc, tu vas à droite. Et tous les zombies, en fait, ils m'ont lâché, ils sont partis. Attends, je crois qu'ils sont calmés. Ah putain, moi j'ai besoin d'aide. J'ai vraiment besoin d'aide là. Allez, vas-y, là. Je crois que t'as tous les zombies de la ville qui sont ceux qui sont après toi. Et moi ils m'ont tous. Je crois, chier. Je suis désolé, je les ramène tous vers toi. J'en suis désolé. J'arrive pas, c'est évidemment, c'est un truc d'arme donc c'est barricadé quoi. Oh, comment je peux ouvrir si je peux péter la porte, tu crois? Merde. Ah, je vais peut-être réussir les sommets, faut pas que je perde du temps. Aïe. Ah, mais c'est toi! Yes. Tu vois, Gordon Ramsay arrive avec une hache. Yeah! Alors, donkey, où en est ta sauce? C'est prêt ou pas? On va passer à table. Là, regarde, il faut qu'on réussisse à rentrer dedans, mais j'arrive pas à... Avec la hache, y'a pas moins de. Ah, peut-être, essaye, ouais. Bah, est-ce que j'essaye, mais. Wouah, mais dis donc! Mais laissez-nous tranquille, enfin. Allez, vas-y, défonce là. Voilà, je fais attention de ne pas te toucher. C'est bon. Par contre, j'ai peur que ça attire tous les autres zombies, le bruit. C'est maculé de sang, c'est trop bien. Ouais. C'est bon, là, il n'y a rien. Vas-y, essaye de péter la... Donne des coups de hache. Mais oui, mais c'est fine. Il faut du temps, peut-être. T'as besoin quoi? J'ai du sang qui gicle, là. Ça fait un peu... Ah si, je l'ai pété, ça y est. Ça fait un peu de bruit. Ah, voilà, ça y est. Ça y est. Oh non, il y a une sécurité. Évidemment, mais ça on peut pas péter par contre. Ah putain, Ça ouais. S'escalade pas? Oh mais merde! Mais comment tu fais pour rentrer? Il nous faudrait des explosifs alors. Enfin bon, quoi qu'il en soit, ça sert à rien de rester là. Ah, moi, j'ai des steaks, on peut pas rentrer. Ouais. Bon, du coup, je te propose de retourner vers le sud peut-être. Mmh. Bah, vers le magasin de légumes là. Ça, c'est le bâtiment du. C'est le Gigamart, hein, on est d'accord. Bon, viens, on va aller de l'autre côté. On va aller. Y en a beaucoup à gauche là. Ouais, bah ouais, c'est ceux qui étaient venus. C'est tous mes copains ouais, qui m'attendaient. Ouais. Oh putain. Oh, je suis hyper par mort. Par le bas. Oh, là, ça arrive par le bas aussi. Oh, bah, faut pas rester par le haut. Putain, oh là là, ils nous ont tous vus. Allez, on se casse. Oh là 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 là, dépêche-toi. T'es lent? T'es quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, je suis encombré, fatigué, tout ça, enfin ouais. Je suis assoiffé aussi. Le bonheur, quoi, très lourd de charge, douleur, blessure, soif, épuisé. Y'a une qui arrive, une rapide en plus. Waouh, j'en ai deux derrière, trois. Waouh, putain. Attends. J'arrive. Ah, allez. C'est chaud pour mon anu, là. Je spam le clic. Ah, ah y a, ça arrive de partout. Ah, laissez-moi tranquille. Y'en a d'autres qui arrivent. Donkey! Je vous repeindre la gueule! Un coup de patte! Putain, ça arrive de partout! Putain, on va pas y arriver! On va pas y arriver! Ils sont trop nombreux! Ils sont trop nombreux! J'y arriverai pas! Non! Valérie! Pourquoi? Je fais plus de gaz! Suivez-moi sur M6 tous les dimanches! Putain, il me faut le fusil à pompe et une cigarette équipée. Je suis parti, allez, vas-y. Dépêche-toi, Gordon. Gordon, s'il te plaît, Gordon. Le barreau d'honneur, sort ton fusil à pompe. Oh yeah, bitches.
Vous voulez de moi, c'est ça? C'est ça? C'est ça que vous voulez? Tu veux du plomb? T'en veux toi aussi? Tiens! Tiens, mange! Mange! Ah, ah, non! Non, jamais! Jamais! C'est fini. C'est terminé pour Gordon. Ils font un festin de moi. Ah, je suis un zombie, non. Je suis tellement triste. Je le connaissais à peine. Mais j'ai bien fait de fuir. Mais heureusement, je suis en vie. Bon, eh bien, écoute, on va te laisser recréer un perso, puis on verra ça dans le prochain épisode. On verra qui tu vas prendre, du coup. Bah écoutez, c'était ainsi que termina Gordon Ramsay. Voilà. Torse nu, avec une cigarette et un fusil à pompe, se battant seul contre 50 zombies pendant que Valérie D'Amido l'a abandonné. Refaisait une tapisserie dans son coin. Ainsi va la vie. Voilà, c'est une belle fin pour Gordon, je suis content, mais ouais, il a fallu que ça s'arrête. C'était prévisible. Mais bon. Et voilà. Eh bien écoutez, je vous propose, on verra si on fait un autre épisode ou pas. Quoi qu'il en soit, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Salut. Bisous, salut.